Emmanuel Macron à Marseille, le président de la République s'est fait plus discret qu'en septembre dans la cité phocéenne. C'est au cours d'un dîner entouré des élus locaux que le chef de l'État a pu échanger autour de thèmes variés. De la gouvernance de la métropole à l'aménagement du territoire, en passant par l'économie et les transports, il en est ressorti que les compétences stratégiques devaient rester dans le giron de la métropole. Écoutez les propos de Martine Vassal. Nous avons demandé que l'arbitre soit à la Cour des comptes pour savoir qui, combien on doit donner à celui qui récupère les compétences de proximité et combien doivent remonter. Donc vous voyez, on est sur du travail. Nous allons avoir une réunion importante le 25 octobre avec Madame la ministre Gourault pour justement, avec les maires, les 92 maires, travailler, finaliser cette liste de compétences. Et puis ensuite, il y aura la loi de décentralisation début décembre. Et tout cela va s'accélérer pour qu'en janvier, on puisse être véritablement opérationnel.